Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel, bienvenue au troisième épisode de Roller Coaster Tycoon 3, saison 3. Et voici le coup. Ah, je savais, c'est un Moses de trou là dans les mini-potes, là c'est jamais facile. On va être capable. Yay! Quand même pas pire en deux coups, si moi je serais pas capable. Mais oui, on a battu ça dans notre dernier épisode. Une petite ballon ici à péter. Et puis, ça ici, c'est notre section pas calme, qui est inspirée un petit peu de la section kids qu'on avait dans notre première saison de Roller Coaster Tycoon 3. Là, j'avais dit à la fin du dernier épisode qu'on était pour bâtir une montagne russe, et c'est ce qu'on va faire. On va bâtir une montagne russe pas calme. Il a adoré Dingo Golf, c'est super le fun, ça. Donc, sans plus tarder, ici, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va sûrement faire autre chose aussi, là, mais voyons voir. Je veux faire une montagne russe. D'habitude, quand on fait des montagnes russes pour enfants ou des montagnes russes calmes, on va faire la montagne russe, le libellule, là, qu'il y avait dans Roller Coaster Tycoon 1 et 2 et puis tout. Elle est où, cette Moses de montagne russe? Je sais pas. La v'là. Montagne russe enfant. Ça s'appelle montagne russe enfant. Bien que ça, ici, c'est pas la section kids. Parce que je sais pas, là, les gens vont penser que c'est plate. Ça s'appelle la section kids. Donc voilà. J'aimerais avoir une autre couleur que brun pour celle-là, s'il vous plaît. Et puis, je sais pas si on peut aller avec notre bleu, puis notre blanc, puis notre rouge. Mais juste quelque chose de différent un petit peu. Bleu, blanc, rouge. Ça fait américain un petit peu, je trouve, bleu, blanc, rouge. Y'a-tu comme, je sais pas, là, orange. Et puis, quoi qui va bien avec orange? Noir? Non, ça fait Halloween. Je sais pas, là, vert? Oh, vert avec jaune. Oh, wow, OK, ça, c'est différent un petit peu. Puis, rose. Non, ça, c'était pas rose, ça. Ça, c'est rose. OK, tiens, ça, c'est laid. On va... En fait, c'est pas vrai. Ça fait Irlande, non? Le drapeau de l'Irlande, il est vert et... Je sais pas, peut-être blanc et rose, quelque chose de même? Station. OK, donc... On va faire ce que je faisais bien gros dans le temps. Ça, c'est-à-dire qu'on monte en tournant. Monte en tournant, c'est quelque chose qu'on peut faire avec ce genre de montagne russe-là. Bien sûr, ça ici, c'est supposé être une montagne russe calme. Elle va peut-être aussi haute que notre montagne russe en bois. Ça, c'est bien. Donc, on va se rendre jusqu'ici. Puis, ouais, on va arrêter là parce que 20 mètres dans les airs pour une montagne russe calme, c'est beaucoup. Montagne russe calme qui descend à pic à pic. Ou est-ce qu'on essaie de faire une montagne russe calme qui descend en tournant? Donc, elle monte en tournant, elle va descendre en tournant. Ouh, OK, j'ai des idées dans ma tête, moi, là. Je peux pas descendre en tournant. Ou je peux pas descendre en tournant quand t'es plate. T'es plate, toi. OK, ben d'abord, si je fais ça de même, puis là, ici, j'essaie de descendre, est-ce que tu fonces dans toi-même? Oui, tu fonces dans toi-même, c'est la réponse. OK. Ben, pétons la balloune et pensons à autre chose. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Faudrait peut-être que j'enlève la chaîne, là, mais il n'y a pas grand-chose que je peux faire avec cette montagne russe-ci. Si je veux qu'elle reste calme. Si je veux qu'elle reste calme, faut que je... prenne mon temps un petit peu. Ouh, il y avait une affaire d'hélice par contre. Ça, c'est peut-être. Si je pouvais faire. Ça, ce serait cool. Si je pouvais faire comme ça monte ici, puis je fais une hélice qui va peut-être contre tout ça, là, ce serait le fun. Mais y a-t-il un virage à S? Non, je vais faire hélice. Attends un petit peu. Si j'essaye ça de même. Ah! Grande hélice qui monte. Non, je veux des hélices qui descendent. Oh, ça pourrait être comme un tourbillon. Des hélices qui descendent dans l'autre direction, c'est ce que je veux. OK. Voilà de même. OK. Puis là, essaye, hélice qui descend. OK, puis là, grande hélice qui descend. Grande hélice qui descend. Petite hélice qui descend. Puis l'arrivé ici, à un moment donné, on va se sentir malade, pas à peu près, là. Si je vais tout droit ici de même, puis là, après ça, ici, tu sors des hélices. Puis je fais ça comme ça, disons, là. Avec une petite descente ici. Juste pour dire qu'on se retrouve par terre. Voir. J'ai peur que les gens vont se sentir un petit peu malades. Ça fait un petit peu un genre de tourbillon ou une tornade. Mais on va. Peut-être qu'on va pas aller trop vite non plus. Voyons voir. C'est à quelle vitesse j'utilise des data, des stats. Je peux pas voir les statistiques en temps réel avec cette version-ci. Hein. Ah merde, là tu l'as recommencé en plus. Maudite merde. Ok, ben la question c'est quand j'arrive ici, est-ce que je vais trop vite? C'est ça la question. Et puis, ça a pas l'air à ça honnêtement. Hein. Ça a l'air comme si je vais un petit peu vite, mais pas trop. Donc ça c'est bien. Puis ici, peut-être ce que je peux faire c'est ouais, une vague de l'amour de même. Puis après ça, peut-être que je peux faire un autre genre de patente de tourbillon, là. Donc, si j'arrive ici, je peux essayer de faire un genre de petit tourbillon en montant. Et puis après ça, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de même. Puis là, je peux faire une grande hélice en montant, ce qui me va mettre en ligne avec toi ici.
Je sais pas si je vais être en train d'aller assez vite pour ça, moi, là, par contre. On va voir. L'idée, ce serait que j'essaie de me mettre en ligne ici, juste avec mes hélices. Donc, descends, monte. Descends. Es-tu capable de monter jusqu'en là? Oui. Puis, arriver ici, c'est ça. Tu fais des petites hélices. OK. Puis là, je viens de réaliser que j'ai fait une grosse erreur. Parce que... j'ai mal planifié mon affaire. Parce que je pointe pas dans la bonne direction. Je pointe pas dans la bonne direction du tout, mais je pense que je peux quand même corriger ça. Il y a encore quelque chose que je peux faire. Attendez un petit peu, là. Parce que je suis encore dans les airs ici, moi, là. Donc, si je descends... si je tourne... Puis je passe en dessous ici. OK. Puis là, ici... Je descends de même. Juste pour garder de la vitesse. Puis je fais quelque chose de même. Puis... Je fais un gros tournet... Jusque-là... Toi là comme ça. Et toi là comme ça. Je pense que ça, ça devrait être plus ou moins la même hauteur. Je pense que c'est quoi la hauteur ici? Le 0.5, 0.5, oui, on est bon. Faut juste espérer que ça se connecte. Puis je sais pas si ça se connecte parce que j'ai cliqué dessus le piton en avance. Merde. Y'a-tu... Oups, non. T'as un petit peu là. Ok, là, je vais essayer de modifier mes affaires. Je veux pas perdre... Ouais, ok, donc toi ici. Ok. J'ai peur de perdre. Ah merde, veux-tu revenir ici? Je veux pas briser toute la montagne russe comme j'ai fait là, dans le premier épisode là. Donc brise ça puis brise ça. Ok, à partir d'ici, je veux ça. Le temps d'attente sont très longs pour la montagne russe en bois. Oui, mais c'est parce que c'est probablement une de mes montagnes russes les plus populaires, ça là. C'est ce que c'est. Donc toi ici, si je fais ça de même, c'est bon. Après ça, je peux continuer tout droit ici. Puis toi ici, maintenant, je peux... Pardon. T'enlever toi, te remplacer avec ça. Et ça. Puis là, ici, il y en a une dernière de même. Non. Oui. Comme ça. OK. Comme ça, je me sens pas malade tout le long, là. OK. 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 La ligne d'attente est longue. Je pourrais peut-être ajouter une troisième, un troisième train. À un moment donné aussi, je veux pas qu'ils se foncent tout dedans, là. Mais... Oh, merde, non, je voulais péter la ballonne. Tiens, on va péter la ballonne. OK, donc toi ici, je peux-tu ajouter un troisième train? Si je t'arrête, trois trains. Trois trains? Je peux pas mettre trois trains. Je peux juste mettre deux trains. Mais je peux mettre plus de choses par train. Donc, tiens. OK? Tiens. Les trains sont plus gros. OK, parfait. Donc, on va péter la ballonne. Je sais pas pourquoi il y a tant de ballons que ça aujourd'hui. On va revenir ici, puis toi ici, on va le mettre en mode test. Et puis, on va juste tasser ton entrée pour que tu sois là. Et puis, ta sortie, on va te mettre là. Et puis, j'adore, le, ça, c'est comme le look va bien, je trouve. Avec les arbres en bonbons, puis tout, là, le mauve, puis le vert, puis tout, ça va bien avec ça. Donc, comme il est en train de faire son test ici, nous, là, on va juste faire une ligne de sortie. Qui va aller jusque là de même. Et puis on va faire une ligne d'entrée aussi qu'on va mettre en couleur de bleu, puis de blanc, puis de rouge. Bleu, blanc, rouge. Donne-moi une ligne d'entrée, s'il vous plaît. Pop, 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 pop. Ouais. J'imagine que c'est correct, ça. Peut-être que je peux juste... Quelque chose de même. Juste pour dire que ma main, tiens, elle va jusqu'au bout. OK, cool. T'es-tu capable de rentrer jusqu'à la fin, toi, là? T'es-tu capable? Ça a l'air comme si la réponse est oui. Parce qu'ici, tu vas descendre. Puis tu vas être bon. Puis au lieu de montagne russe 1, on va appeler ça des bonbons. Parce que c'est une montagne russe de couleur de bonbons dans une section où il y a plein de bonbons. Et puis, je pense qu'on est bon. On l'essaye dessus pour un test, juste pour le fun. On va l'essayer pour un test, c'est ce qu'on va faire. On va s'asseoir dedans. On va voir ce que ça donne, cette montagne russe de bonbons. Oh mon dieu, là, j'adore comment que la caméra elle donne des coups. C'est comme. C'est comme si la montagne russe comme telle est juste rough un petit peu. Ok, on arrive en haut. Et on va voir. C'est calme. C'est bien parce que justement, c'est supposé être calme. Ça commence à être un petit peu moins calme. Ça commence à être un petit peu plus serré. Je me sens un petit peu plus malade. Ok, ça se décalme. Oh boy! Oui! Ok, c'est pas calme, c'est un petit peu plus calme. Ah, puis là on tourne dans l'autre direction, c'est calme. C'est calme, c'est un petit peu moins calme.
Ça se peut. Wow! Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est une belle petite montagne russe. Oui! Qui est calme, qui relaxe. Et puis que les gens, je pense, oui, tiens. Les gens qui veulent justement aller sur une montagne russe calme vont certainement apprécier, j'en suis certain. Si je clique ici pour des résultats. Ah ouais, exactement. Excitation est quand même bonne. Pas aussi bonne que l'autre, ce qui est bien. On va voir ici, on peut-tu ajouter plus de trains? 5 fois... Hostie, c'est dur à cliquer parce qu'ils sont trop proches, tes petites affaires-là. Là. Mais tiens, on est bon de même. Ouvre ça. Et voilà. On a bon, qui est maintenant ouvert, ce qui est excellent. Toi ici, t'es-tu correct? Je fais ça parce que j'ai agrandi tes trains, là, beaucoup. Donc, juste faire sûr que les trains sont capables de se rendre jusqu'au bout. J'imagine que oui. Parce que là, tout le monde est en train de rentrer ici. Si je rends ça super rapide, l'autre site qui est vide, il peut-tu se rendre jusqu'à la fin? Ça, c'était une affaire, je me rappelle, dans ce jeu-ci. C'est des fois quand ton train était vide, ou si tu faisais un plus gros train, il allait plus vite ou moins vite que l'autre ou quelque chose de même. Donc, tain, ça fait une méchante différence. Puis là, on est bon, on peut embarquer tout le monde. Excellent. Donc, au moins, les gens vont pas rester pris. Excellent. Ça va faire est-ce qu'il y a plus de monde qui peut prendre justement la montagne russe. Ici aussi, ça va bien. Beaucoup de gens qui sont intéressés dans ma montagne russe, qui est excellent. OK, puis tout le monde rentre dans... Excellent. On va mettre un petit peu de décoration, juste pour dire. Donc, on va ralentir le temps. Et puis, on va mettre des affaires pour s'asseoir, puis tout. On va voir. Y a-t-il des bancs comme le fun que je peux mettre, qui sont peut-être calmes? Je vais mettre des bancs calmes. Je vais pas mettre des bancs plates, mais je vois pas autre que ces grosses affaires-là. Quoi d'autre que je pourrais mettre? Donc, on va juste mettre ça. Et là, comme ça, puis un autre site de même. On va mettre des poubelles, bien sûr. Des poubelles calmes. Y a-t-il des poubelles calmes? Pas grand poubelle calme. Donc, on va prendre la poubelle de même ici. Puis on va mettre ça. Oh, le parc le plus propre. Encore. Excellent. Mon Dieu, mon parc, il fait toutes les bonnes choses. Mettre ça là. Et puis, des lumières, bien sûr, pour être capable de voir la nuit. Même si, à date, je serais curieux, en fait, de voir à quoi ressemble mon parc la nuit. Je sais pas. Oh, il y a un petit peu de vomi. Drette là, les gens sont en train d'être un petit peu malades ici quand ils sortent. Donc on va peut-être juste mettre des bancs pour qu'ils puissent genre s'asseoir puis pas être malades par terre. Donc ça c'est bon. Puis ouais, la nuit de quoi ça a l'air? Juste hors de curiosité. Oh, ça a l'air vide. Il y a pas beaucoup de lumière. Ouais, on va rester le jour, je pense, c'est ce qu'on va faire. On va rester le jour. Cool. Tain, check ça, j'ai ajouté une petite forêt ici d'herbe à bonbons pis tout, là, juste pour dire, pis ça va bien, on est rendu à 668 personnes dans notre parc, les gens l'aiment bien gros, on n'arrête pas d'avoir des affaires qui disent que notre parc c'est le plus beau, le plus sécuritaire, le plus propre, le plus ci, le plus ça, ce qui est excellent, ça va super bien, je suis pas mal content. Il y a des petites choses, je pense, qu'on peut ajouter, qu'on pourrait améliorer notre parc avec, que j'ai pas pensé, donc je vais faire des petits trous ici. Ce que je vais faire avec ces petits trous-là, c'est que je vais les remplir avec des affaires ici. Donc, premièrement, une section information. Comme ça, quand les gens rentrent dans notre parc, ils peuvent avoir une carte puis tout, puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va ouvrir ça. Deuxièmement, proche ici, on va mettre une affaire de poste de soins. Comme ça, les gens, s'ils sentent malades parce qu'ils ont fait un manège trop intense puis tout, ils peuvent y aller. J'ai vu aussi une affaire que j'avais oublié qui existait, mais c'est bien important. Distributeur de billets. Comme ça, les gens ici, s'ils veulent, ils peuvent justement avoir... peuvent retirer de l'argent pour dépenser encore plus d'argent dans mon parc, ce qui est bien important. L'autre affaire ici, c'est les parapluies, mais il pleut pas dans mon parc. Donc c'est bien correct de même. C'est bien correct de même. Ben, je suis pas mal content. Les bonbons semblent être pas mal populaires, ce qui est excellent. On va s'asseoir... non, un petit peu. Ah, oui, non, je veux l'autre. Je veux celui-là qui... Non, je veux les bonbons. OK, ben, on va s'asseoir ici d'abord. On va se mettre en arrière. Je voulais les bonbons qui t'avaient de partir, mais c'est là comme si je suis pas capable de faire ça. En arrière? En arrière, ok. Non, mais en arrière, comme pourquoi je peux pas mettre... L'autre, je pouvais mettre dans le milieu, mais celui-ci, je peux pas mettre dans le milieu. Je sais pas pourquoi, mais tiens. On va terminer là-dessus, je pense, aujourd'hui. On a fait du bon travail, pis tout. Avant de commencer un nouveau monde, pis tout, faut que je réfléchisse un petit peu pour penser c'est quel nouveau monde, pis tout. Donc, je vais pas commencer ça tout de suite. Je suis en train de penser, on peut peut-être faire quelque chose d'extrême. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez bien aimé ça. J'étais en train de me rappeler des bons souvenirs à jouer à ce jeu-ci. Franchement, là, c'est niaiseux, mais c'est le fun. J'aime bien gros ça. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. En vous laissant ici avec notre bon.
la vue d'en arrière. De quoi ça a l'air si t'es en arrière du bon. Oui!